droite, le son est décalé. Oh lolo. Eh bien, yo, what's up guys, c'est Raph. Aujourd'hui, on est back pour une toute nouvelle présentation de Klaus sur Call of Duty Vanguard. Lors de cette vidéo, on va parler de la Thompson, qui est ma mitraillette préférée sur le jeu, due à sa portée des dégâts, à sa cadence de tir, au nombre de munitions que tu peux avoir dans un chargeur. Cette arme est juste une machine à tuer et je pense très clairement qu'elle va être une des mitraillettes les plus méta dans le futur Warzone. Alors je vous propose la classe aujourd'hui, comme d'habitude vous êtes habitués, la classe allez en fin de vidéo aujourd'hui, deux petits gameplays sur des maps plutôt grandes. Alors vous allez pouvoir observer tout simplement que cette Thompson elle est juste monstrueuse, même à des distances assez longues que certaines mitraillettes telles que la Owen ou la Sten, bref, des mitraillettes qui sont loin d'être excellentes, mais celle-là, elle est bonne, elle peut rivaliser contre des MP40. Alors, je vous propose de vous laisser avec la suite de la vidéo, bien évidemment. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me ferait extrêmement plaisir et ça me soutiendrait énormément. Et moi, je vous laisse avec le gameplay. Ok, la game est déjà commencée, on va essayer de faire notre mieux pareil. Ok, ça commence. On revient. Ok, c'est le fun ça. Seul qui rush ou vous allez rester là? Ah, vous êtes bien. Ah, vous êtes bien. Voilà. Ok, salut. Oh lolo, l'arme de loin à tête quand même. L'arme de loin elle peut vite sa mère. Ok. Yo. Non. Clairement pas. Clairement pas. Ah oui, la manche est presque vide. What, le son est décalé. Oh lolo. Attention, tir de mortier allié imminent. Oh lolo, quand même. Mais ah, on se prend tout le temps à la même place. Ça explose de partout. Je sais pas où je suis. Il y a un dude là, je le tue. Je me mets une plaque. On va me tuer. Ça prend 1000 ans pour mettre une plaque. Ça se pas comme ça dans Warzone. Ok, je le vois même pas, c'est le fun ça. Yo, c'est quoi cet angle de merde? Le monde il te met des balles qui te fait ralentir quand tu shoot des gens. What the fuck? C'est quoi le niveau de cancérité là, ref? Ah, je suis mort par un chien. Tout ça pour mourir par un chien. Tout ça pour mourir par un chien. Quel... C'est quoi les bails? Beaucoup trop bien en fait. Parce qu'elle a dessus vite, elle a beaucoup de balles. Oh là là, bien sûr.
Ok. Ok, on revient. On revient. Je suis pas habitué avec les termites, j'avoue. Fais chier, on était dans un beau truc. Fais chier. Oh là 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 là. Je tire de loin, mon ref. Je tire de loin. Il y en a quand même qui a beaucoup de recul comme ça, c'est quand même ça, c'est ça. Mais le recul, tu vois, il y en a beaucoup. Mais Gérard. Red, défaite, bref. Bref, c'est une belle game quand même. Ok, bon, je pense que c'est la première game que je commence. On garde la ligne, on garde la ligne. On monte. Mission de reconnaissance disponible. On garde la ligne. On monte. On tue. Oh, le petit drone qui fait plaisir. Oh my god, j'ai eu de la chance là-dessus. Ouais, c'était un peu trop risqué, qu'est-ce que je viens de faire là, en réalité. Pas le meilleur choix. Ok, ouais. Ok, ouais. On a un concurrent, on a la MP40. Comme c'est étonnant, en réalité. Est-ce que une game de Vanguard sans MP40, c'est une game de Vanguard? Pas du tout. Pas du tout. J'ai voulu slide, ça a pas voulu. Plus imaginez, vous jouez au snipe et vous faites laser de loin par une Thompson. Et moi j'aurais ragé à sa place. Ok, yo les chiens, honnêtement, je pense que c'est les saisons modifiées, non? J'ai l'impression qu'ils sont plus forts qu'avant. C'est peut-être juste une impression. Oh shit! C'est une automate qui m'a fait ça? Et ça lui a pris du temps avant de me spot. Mais gros, il me spot, il m'a mis quoi? 3 balles? Je suis mort. Imagine, je les eux quelqu'un ici. Non. Ah, quand même. La Thompson, il faut pas abuser avec. Ok. Ok, il y a deux sortes de chiens. Mais des chiens de garde, puis des chiens d'attaque. Alright. Essayer de faire une petite série. Bah, déjà là, on en a fait une minute tantôt. Là, ça. Ok, ouais. Un kill. Là. S'avancer par là. Ok. Ok. C'était un peu risqué qu'est-ce que je viens de faire là en été. J'étais pas mal sûr que j'allais me faire trap. Sûr.
Bro, what? De toute façon, j'allais mourir dans tous les cas après, mais... Ça me m'étonnait pas. Mais ta blague, tire! Le missile de croisière qui est venu nous focus, ça, right? En même temps, c'était un beau move, on était trois. Une bonne décision. Right? Efficace comme game. Pas de la manche est proche. C'est le moment de se saisir. Oh, what? Et c'est là que des fois tu vois que la MP40 allait être gros. Elle m'a mis quoi? Deux balles? Et des fois. Multiplicateurs d'aide dans ce jeu sont... C'est pas que c'est bon, c'est surpuissant les multiplicateurs d'aide, j'ai l'impression. Et tu mets quoi? 3 balles dans la tête, c'est logique, mais... La cadence de tir, la puissance des armes de ce jeu... On n'est pas habitué, mais... Bordel de merde, c'est fort! Dommage, on était dans une petite série, on aurait pu avoir peut-être le flambeau, là. Cette arme tabarnak. Et on peut pas dire que c'est pas une machine à tuer, genre. On peut clairement. Hey, ça serait sous-estimé l'arme, c'est qu'elle est pas bonne. Elle est clairement bonne. Elle peut clairement faire le taf contre des. Elle peut clairement faire le taf contre des MP40. Je pense que c'est ma mitraillette préférée. Malheureusement, on se. Ok, c'était un dude, j'étais pas sûr, j'étais à. C'était-tu un dude ou pas? De reconnaissance disponible. Couvrez ces enfoirés. Ah shit. Joli allié en approche. Vite, one, il y avait rien. What? J'avais l'impression d'avoir manqué legit aucune balle. Plutôt. Ok. Ok. Petit crash. Fait plaisir. S'il te plaît. J'ai une bonne game là. S'il te plaît. Ok. Alright. Ça fait du bien ça. Re les potes. J'espère que les deux gameplays vous auront plu. Passons à la classe maintenant. Bien évidemment. La Thompson. Qui est comme nom dans le jeu. La M1928. Ensuite comme arme secondaire personnellement. Je prends le 1911. Mais vu le nombre de balles. Que la Thompson. Je vous jure, l'arme secondaire, vous en avez presque pas besoin. Comme atout, je mets personnellement fantôme, radar et poids plume. Comme mortel, termite. Et comme tactique, bien évidemment, stimulant. Alors passons au plus important, ce qui vous intéresse le plus. Sûrement, alors comme bouche, le silencieux M1929. Comme canon, le CAM12. Comme lunette, le déflecteur ardoise. Ça, c'est littéralement comme vous voulez la lunette, si vous voulez la changer, si vous voulez pas en mettre. Si comme bon vous semble, de toute façon ça change pas grand chose, mais personnellement je préfère avoir une lunette parce que de loin c'est beaucoup plus pratique et c'est vraiment comme vous avez pu voir une arme qui est très bonne de loin, alors vaut mieux être le plus précis possible. Ensuite comme cross pour améliorer la mobilité, on a la poignée métallique, bref c'est l'équivalent de pas de cross. Ensuite comme expertise, tour de passe-passe, chargé à bloc, poignée en cuir, chargeur à tambour de 100. Très important celui-là, très 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 important, ne mettez pas le dernier vous met trop d'inconvénients, alors mettez celui-ci, c'est de loin le meilleur. Ensuite comme munition pour faire des tirs de loin, munition allongée, et comme accessoire de canon, garde-main M1941. Alors bref les potes, on va se laisser là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu.
Comme j'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me ferait extrêmement plaisir, ça me soutiendrait énormément. Et je vous retrouve demain pour une toute nouvelle vidéo du jour de l'an. Ciao tout le monde. Peace.